acquis qu'il déboule par l'aile droite avec une grande habileté. Il ne lâche pas le ballon du museau. Il dribble un chien, puis un deuxième. Il va peut-être marquer l'un des plus beaux buts du monde. Oh, désolé Pablo, je ne t'avais pas vu. Je jouais au football, ça te dirait un petit match? Non, nous les renards, nous avons beaucoup mieux à faire que de taper dans un ballon, Baxter. Même pas une petite partie? Bon, comme tu voudras, je trouverai quelqu'un d'autre. Allez, vas-y, Kaline, attrape ça. Désolée, Baxter. Ça fait rien. Allez, continue. Tire. Moi, je fais le goal. Allez, vas-y. Il y a un problème. Je suis désolée, Baxter. Je ne l'ai pas fait exprès. Dis, tu en as un autre de ballon? Non. Et non. Je n'en ai pas d'autre. Je pense que ma vie est fichue. Ah, salut Kaline, qu'est-ce qui se passe? C'est le pauvre Baxter, j'ai crevé son ballon et il en est très malheureux. Un ballon? Quelle idée aussi de se rendre malade pour un stupide ballon. Allez Baxter, tu veux qu'on joue à cache-cache? Tu vois? Ah, pauvre Baxter. Il faut lui remonter le moral, Kaline. Mais comment faire? L'idéal, ce serait d'aller voir Gaëtan. Lui, il aura une idée. Pas de ballon. Est-ce que ça fera l'affaire? Un nouveau ballon? Tout le monde est prêt? Décor! Allez, c'est parti. Merci pour la passe. Stop le Bunny! Dribble! Tu dois l'arrêter, Pablo. La patte! Blocage! Aïe! Et tire! Ouais! Et puis... Joli tir, Baxter! Je crois qu'on a réussi à remonter le moral de Baxter. Oui! Il a retrouvé la forme! Alors, Pablo, prêt pour la revanche? Je crois que nous, les renards, nous allons devoir nous entraîner à taper dans un ballon.